Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Henri. Et bonjour Lydie. Au terme de cette série d'émissions consacrée à l'archéologie en pays biblique, nous avons commencé la semaine dernière à faire le point sur quelques 150 ans de fouilles et de découvertes archéologiques. Les enjeux concernent principalement l'historicité de la Bible ainsi que la transmission des textes. Le premier volet a été abordé, la dernière fois, et avait pour conclusion que l'historicité générale de la Bible est acceptée aujourd'hui, même si la notion moderne d'historicité n'est pas entièrement applicable aux textes anciens ou aux textes bibliques. L'archéologie est d'un précieux apport pour le lecteur biblique. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous aborderons la polémique, toujours vivante, sur la fiabilité de la transmission des textes de la Bible. Parce que, comme toujours, la Bible a été la cible de mise en doute, plus que tous les autres textes de l'Antiquité. Et c'est au XVIIIe siècle que les attaques commencent. Oui, en disant que l'on manquait de manuscrits anciens et que l'on ne pouvait donc pas du tout se fier aux textes qu'on avait aujourd'hui, que probablement il y avait eu des manipulations, qu'il y avait eu des pertes ou des ajouts. Tout cela pour diminuer la crédibilité des textes bibliques. C'est alors qu'au XIXe siècle, presque en parallèle avec le développement de l'archéologie dont nous parlions la semaine dernière, on commence à trouver, à retrouver des fragments de manuscrits bibliques, parfois de grands livres bibliques, et qui petit à petit vont aider à voir que le texte que l'on avait finalement était plus fiable qu'on ne prétendait, que certains ne prétendaient qu'il était. Parmi les toutes grandes découvertes, il y a deux ou trois grands manuscrits bibliques qui comportent presque toute la Bible. Il y a le célèbre Codex Sinaiticus, qui lui a un Nouveau Testament complet, entier, et le Codex Vaticanus, qui lui manque quelques livres du Nouveau Testament, mais qui néanmoins est extrêmement intéressant aussi. Et puis, au XXe siècle, il va y avoir cette découverte, 1947, des célèbres manuscrits de la Mer Morte. Et ces manuscrits que l'on retrouve à ce moment-là sont datés du 1er, 2e, quelques-uns, 3e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut dire que la querelle sur l'ancienneté des textes que nous avons aujourd'hui, comme étant bien ceux qui étaient là bien avant nous, s'est apaisé. Mais la querelle aujourd'hui s'est déplacée dans le domaine de quels étaient les différents courants religieux à l'époque du Nouveau Testament, dont certains mouvements ont vu leurs écrits canonisés, c'est-à-dire mis dans la norme chrétienne biblique, et d'autres, qui existent tout autant, n'ont pas été acceptés dans la norme biblique. Pourquoi les uns sont-ils devenus normes pour les chrétiens et pourquoi les autres pas? Alors est-ce que cela va remettre en cause la valeur et l'authenticité de la Bible que nous utilisons aujourd'hui? Non, certainement pas. Mais c'est tout simplement ce qui se passe avec ces études-là, c'est que cela ébranle parfois un peu des vues trop piétistes de la Bible, je veux dire, comme si la Bible était tombée du ciel toute faite, que Dieu l'aurait écrite, et puis la voilà. Nous ne pouvons pas ignorer les découvertes des études historiques, des études des écrits. On ne peut pas les ignorer, on ne peut pas faire comme si cela n'avait pas lieu. À l'évidence, la Bible n'est pas tombée du ciel, toute faite, toute finie, avec chaque phrase que Dieu aurait écrite lui-même. Alors, où place-t-on l'inspiration dans tout cela? Ah oui, ça c'est une excellente question. Encore faudrait-il définir ce qu'on entend par inspiration. Pour certains chrétiens, l'inspiration veut pratiquement dire que tous les mots de la Bible ont été dictés par Dieu.
Pour d'autres, l'inspiration se trouvera davantage dans la manière dont les écrivains ont perçu leur rencontre avec Dieu, entrant là dans le très subjectif aussi. Loin de moi de mettre en doute l'inspiration des écrivains bibliques. Loin de moi aussi de nier que les écrits bibliques soient paroles de Dieu, comme on l'affirme avec une terminologie chrétienne. Mais ce que je veux dire, c'est que cette parole de Dieu n'est pas tombée du ciel en parachute. Elle a sa part humaine. Et ce n'est pas diminuer en cela la partie divine, mais c'est reconnaître que les deux ont collaboré. Si par le passé, les chrétiens ont peut-être mis beaucoup le poids sur l'idée que c'était Dieu qui était à la base de la Bible, la science aujourd'hui nous oblige, parfois avec un peu d'exagération, à prendre en compte aussi l'aspect humain. Mais en fin de compte, je dirais à nouveau que nous n'avons absolument rien à perdre avec cette perception beaucoup plus équilibrée de l'inspiration de la Bible. Pour moi, une foi éclairée, réfléchie, ne peut qu'être enrichissante. Et je pense qu'une fois que l'on perçoit au-delà de l'aspect humain qui existe dans la Bible, on ne peut que mieux saisir ce qu'est la transcendance de Dieu, ce qu'est l'inspiration de valeurs morales, de manière de vivre, qui est au-dessus de tout ce que l'histoire humaine a jamais pu produire avant et voire même après. Revenons alors au texte, au manuscrit, écrit à la main bien avant l'arrivée de l'imprimerie de Gutenberg et des autres. Rappel et synthèse. Ok, commençons par le Nouveau Testament. C'est quand même la période biblique qui est la plus proche de nous, celle qui est plus proche de nous par le contexte culturel gréco-romain. Il y a de très nombreux fragments, plus de 5000, du Nouveau Testament. Certains de ces fragments ont quelques centimètres carrés. D'autres font à peu près une page. D'autres fragments comportent 20 ou 30 pages du Nouveau Testament. D'autres encore vont comporter quasi l'entièreté du Nouveau Testament. Pour un nombre de ces fragments, on remonte au niveau datation aux années 130, 120, 110 après Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est très ancien, c'est à peu près 30 ou 40 ans après ce que l'on appelle les écrits autographes, c'est-à-dire les premiers écrits des auteurs originaux. Quand on voit que l'on a des fragments que l'on retrouve dans le texte du Nouveau Testament, quand on a des fragments qui remontent aussi loin, on ne peut pas raisonnablement douter de l'ancienneté, ne serait-ce que de ces passages-là, dont on retrouve exactement les lettres que l'on a après dans la Bible. Mais il y a aussi des manuscrits, comme nous le disions, beaucoup plus complets, qui comportent presque tout le Nouveau Testament. Et là, il y a le Codex Alexandrinus, qui date des années 450 de notre ère. Ensuite, il y a le Codex Vaticanus, qui est donc un manuscrit, une Bible écrite à la main, puisque l'imprimerie n'était pas encore là, qui date des années 340 après Jésus-Christ. Mais il y a quelques livres qui manquent du Nouveau Testament. Et puis, il y a le fameux Codex Sinaiticus, qui, lui, date des années 360 de notre ère, mais qui a un Nouveau Testament complet. C'est le seul manuscrit où l'on a le Nouveau Testament sans aucun livre qui manque, sans aucune page qui manque. Donc, tout est là. Et lorsque l'on peut juxtaposer tous ces manuscrits du Nouveau Testament, qu'ils soient minimes ou qu'ils soient les grands manuscrits, ceux qui comportent tout le Nouveau Testament ou presque, quand on met tous ces textes ensemble, les professionnels des textes peuvent très bien dire « voilà, ça c'est le plus ancien, ça c'est la version qui est la plus proche de l'original ». Et on peut en dire qu'aujourd'hui, le texte que nous lisons dans nos Bibles, quelle que soit la version que l'on a, sont des textes qui, effectivement, sont les mêmes que ceux d'il y a quasi 2000 ans. Donc il y a là une fiabilité de transmission qui est indéniable.
Alors, tu nous avais fait le récit palpitant de la découverte en 1844 par Constantin von Tischendorf du fameux codex Sinaiticus dans le monastère Sainte-Catherine au désert du Sinaï. Et puis l'Ancien Testament, l'incontournable découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947. Oui, jusqu'alors, donc en 1947, quand on commence à trouver, hein, quand les premiers manuscrits se retrouvent sur le marché des Antiquités à Jérusalem, on avait de l'Ancien Testament hébreu que deux grands manuscrits qui dataient des années 900 ou des années 1000 de notre ère. De notre ère. On n'avait rien qui était au-delà. Et voilà que tout à coup, à Qumran, on découvre des manuscrits hébreux des livres bibliques qui ont 1000 ans de plus. Et c'est la comparaison entre ces textes-là de Qumran et les textes que l'on avait, qui étaient des copies de copies de copies, hein, à la main, qui s'étaient faits au cours des siècles. On s'est rendu compte qu'à quelques variantes, mini-variantes près, ces textes étaient identiques. Là, on se trouve donc aussi devant une preuve que le texte biblique de l'Ancien Testament est tout aussi fiable quand nous le lisons aujourd'hui que celui du Nouveau Testament. Donc, et parmi cette découverte des manuscrits de la Mer Morte, il y avait un livre particulier, celui du prophète Ésaïe. Oui, quand on dit livre, hein, on emploie nos mots d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était des rouleaux, puisque les feuilles étaient cousues les unes aux autres. On se rappelle que nous avions montré comment cela était. Et on va donc retrouver un livre complet du prophète Ésaïe. On va d'ailleurs retrouver aussi, après, on retrouvera des fragments ou des livres quasi complets de presque tous les autres livres de l'Ancien Testament aussi. Il n'y en a qu'un ou deux qui manquent dans la série. Mais dans le livre d'Ésaïe, hein, au chapitre 40, au verset 8, il est d'ailleurs dit que l'herbe sèche, que la fleur tombe, mais que la parole de Dieu subsistera toujours. Alors, l'archéologie, les découvertes ont quand même permis, là aussi, à nous rendre compte que les textes que nous lisons aujourd'hui sont fiables. Et la foi, Henri, peut-elle être prouvée par l'archéologie ? Je le redis aujourd'hui, je ne crois pas que la foi en Dieu ou dans le message que la Bible peut véhiculer pour la vie humaine, je ne crois pas que l'archéologie puisse jamais prouver l'aspect spirituel, moral, existentiel de la Bible. Ce que je crois, c'est que l'archéologie peut nous aider à prendre la Bible au sérieux. Ce n'est qu'alors qu'à ce moment-là, une lecture de la Bible pourra amener chacun à se positionner, si oui ou non, cela l'aide dans son cheminement de foi ou pas. Ça, c'est une autre démarche. Et je ne crois donc pas que l'archéologie peut prouver la foi. On ne peut pas prouver la foi. Mais je crois que l'archéologie nous aide à prendre la Bible au sérieux. Et puis à chacun de voir si ça a un impact positif sur son existence. C'est en tout cas ce que je souhaite à tous nos spectateurs en cette fin de série d'émissions sur l'archéologie biblique. Alors merci Henri de nous avoir enrichi par ces découvertes, par tes connaissances, enrichi par rapport à ces textes bibliques. Volontiers, c'était avec plaisir d'ailleurs. Merci à toi pour toute cette série. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez eu du plaisir et que vos connaissances se sont enrichies. Au revoir. Au revoir.